Well, the big eight wheeler over down the track means your true loving daddy ain't a coming back. 'Cause I'm a moving on, I'll soon be gone. Légende en Australie qui fait la couverture des magazines. Pas Black Caviar, non, Gay Waterhouse. Cette femme hors du commun possède l'un des plus beaux palmarès du monde en tant qu'entraîneur. Elle a gagné plus de 200 groupes 1 depuis qu'elle a succédé à son père, Tommy Smith, en 1994, à l'issue d'un difficile combat contre la justice qui voulait l'en empêcher, sous prétexte que son époux Rob Waterhouse avait été mêlé à une affaire sulfureuse lorsqu'il était bookmaker des années plus tôt. Installée à Sydney avec 200 chevaux, la très populaire Gay Waterhouse possède aussi des écuries sur l'hippodrome de Melbourne pour les meetings comme la semaine de la Melbourne Cup. I don't think of myself as a woman when I walk on the track. I think of myself as a trainer. Quand je travaille, je ne pense pas au fait que je sois une femme. Je me considère tout simplement comme un entraîneur. Je suis sûre qu'André Fab ne se pose pas la question de savoir s'il est un homme quand il marche sur les pistes le matin. Mais c'est vrai, pour pouvoir exercer, j'ai eu quelques grosses difficultés avec les autorités. J'ai dû aller en justice face à une cour de discrimination parce qu'ils estimaient que je ne pouvais pas avoir ma licence à cause de mon mari. Le combat a duré 2 ans. C'est une bataille qui est restée tellement célèbre pour le travail des femmes en Australie qu'il a même fait jurisprudence. C'est le Waterhouse Act. Cela n'a pas été qu'une victoire pour moi, mais pour toutes les femmes qui travaillent dans ce pays. Not only for me as a person, but also for working women. À la fin du meeting de la Melbourne Cup, chevaux, équipes et femmes entraîneurs reviennent à Sydney à 2 jours de camion au nord-est, toujours sur la côte, face à l'Antarctique. Gay Waterhouse a repris les écuries de son père, à côté de l'hippodrome de Randwick, mais désormais en pleine ville, entre une école et une église. Les chevaux s'entraînent sur les pistes du champ de course, mais aussi en pleine mer. Et oui, Gay Waterhouse possède une méthode unique au monde, au moins pour un entraîneur de ce calibre international. Tous les jours, elle fait faire de la natation à ses champions dans l'océan, non loin des gros porteurs qui atterrissent et décollent des pistes de l'aéroport. J'utilise la plage car il n'y a pas beaucoup d'occasion d'offrir une coupure aux chevaux. Ils travaillent beaucoup sur les pistes et mentalement, la plage, c'est un vrai bon traitement. On va là-bas, tout le monde se détend et tous les chevaux aiment ça. Ils se baignent, peuvent se rouler et mon personnel aussi apprécie beaucoup. Ça les change. Mais bon, c'est vrai qu'en plein hiver, c'est moins rigolo, mais en été, tout le monde adore ça. Pour les chevaux, nager équivaut à un bon canter. Il faut voir ça, avec les avions qui décollent de la piste et en parallèle les chevaux, c'est super. Je n'entraîne pas les chevaux dans l'eau pour les affûter. Ils y vont pour se changer les idées, s'entraîner autrement, leur ouvrir l'esprit et briser la routine. Dans l'eau, ils peuvent tourner à droite ou à gauche, ça leur chante. J'emmène une dizaine de chevaux tous les jours ce lundi. Les chevaux sont baignés tous différemment. Certains sont montés et marchent avec de l'eau jusqu'au garrot. D'autres nagent deux par deux. Et 2 ou 3 chevaux par jour sont emmenés par le maître nageur, Josh, plus loin dans l'eau. Il s'accroche au licol pour s'éloigner du rivage, fait ensuite tourner son partenaire autour de lui, puis revient vers le bord en s'accrochant à la queue jusqu'à temps que le cheval retrouve pied. Ah, ça leur fait du bien. Ça les change beaucoup du travail à la piste. Ici, l'environnement est complètement différent. Des fois, quand il faut sortir très tôt le matin à la piste de nuit, j'ai l'impression que certains chevaux ont le réveil difficile. Ici, dans l'eau, surtout quand elle est un peu fraîche, on se réveille tout de suite. On ne reste pas trop longtemps dans l'eau, car la natation, c'est quand même très physique. Mais tous les chevaux font des exercices différents. On vient ici tous les jours, du lundi au samedi, et parfois même le dimanche. Les chevaux alternent, c'est un peu au cas par cas. Certains viennent se baigner tous les jours, surtout des chevaux d'âge qui ont tous leurs petits problèmes. Cette pratique de la natation en pleine mer est aussi utilisée à Tahiti. Mais faire ainsi nager certains des meilleurs pur sang d'un pays aussi important que l'Australie sur la planète course est un cas assurément unique au monde.